Bienvenue en Thaïlande. Eh oui, la Thaïlande. Alors je sais, par chez nous, quand on parle de la Thaïlande, on pense aux îles, aux plages magnifiques, à Leonardo DiCaprio éventuellement. Eh bien, dans le rôle de Leonardo. Ouais, putain, j'ai été promu, je suis passé du professeur Zurcher à Leonardo DiCaprio. Leonardo. Je suis honoré. Hein. Alex Zurcher, le patron créateur de Vintage Rides, avec lequel on a déjà fait 6 ou 7 films, à travers l'Inde, le Népal, la Mongolie. Enfin, vous étiez là, donc vous vous en souvenez. Et cette fois-ci, on est en Thaïlande. Une Thaïlande différente et un voyage différent. D'habitude, on va sur les traces de Vintage Rides, dans des itinéraires déjà cadrés, repérés et usités par pas mal de clients. Là, on fait partie des explorateurs. Va-t-il y avoir un itinéraire Vintage Rides ici en Thaïlande du Nord? Eh bien, on est là pour le savoir. Oui, exactement. Et c'est vrai que ce qui nous plaît avec cette destination, c'est que c'est à la fois assez accessible. C'est-à-dire que les routes sont bonnes, les infrastructures sont de qualité au niveau de l'hôtellerie, etc. Et d'un autre côté, au nord de la Thaïlande, on découvre une vraie terre d'aventure. Là, on est aux portes du Triangle d'Or. Donc, on est vraiment entre la Thaïlande, le Laos, la Birmanie. Et on a vraiment des possibilités d'exploration qui sont assez, assez riches. Et, c'est l'aventure accessible en Asie. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et ça reste, contrairement à ce que certains peuvent penser, hyper authentique. Et en tout cas, d'après ce que nos recherches ont montré, et bah, comme tu l'as dit, hein, l'objectif c'est qu'on aille voir vraiment si on trouve ce qu'on attend. Avec cette magnifique machine à remonter le temps qu'est la Royal Enfield. En route! Donc là, c'est quelle tribu? Là, c'est les Laou, donc c'est une des tribus principales hein, dans le coin. Ouais. Et c'est des gens qui sont réputés pour un peu l'artisanat, la chasse, c'est des bons chasseurs, t'as entendu un coup de fusil tout à l'heure. Ouais. Et comme la majorité des tribus en fait, de la région, ils sont semi-nomades et ils pratiquent la culture sur brûlis. Et du coup, ça a créé des tensions avec le gouvernement moderne qui essaye de les intégrer de plus en plus dans la société. Mais eux, ils essayent de rester sur leur mode de vie. De garder leur tradition. Ouais, leur tradition. Bah, c'est mais c'est vrai que ça a généré 2-3 incendies assez conséquents. Et du coup, en tout cas, ils sont de plus en plus surveillés. Mais là, comme tu peux le voir, ils pratiquent la culture sur brûlis. Et tu vois qu'il y a des terres qui ont été brûlées derrière. Ouais. Donc, ouais. Ils continuent à fonctionner avec leur mode de vie ancestral. T'as vu la bouille des mômes aussi? Ah, ils ont une tronche fantastique. Écoute, c'est une question aussi de politesse, c'est-à-dire que les gens, tu vois, bon. C'est les tribus nomades, on a dit, il n'y a pas de porte, tu rentres chez les gens sans prévenir, donc la moindre des choses, c'est d'envoyer l'ascenseur. Et puis surtout, au-delà de l'objet, c'est le souvenir que ça représente, tu vois. C'est les moments qu'on partage, et puis il y a des objets comme ça qui sont juste la signature d'un moment que tu as vécu. Donc voilà, un de plus, hein, tu me diras, ça... Mais c'est bien d'en avoir une collection que pas du tout. Ce sera joli autour de ton poignet, c'est assez viril. Ça va bien avec le voyage moto. Bah, je te rappelle, t'en as acheté un aussi, là, je vais t'attacher, tu vas voir.
vois, moi qui te parlais du riz là. Ouais, bah juste là. Ouais, là ils sont en train de l'écosser, je pense. Ils écossent le riz ? Je crois, écoute, on va voir, c'est l'impression que ça me donne. On est dedans, hein. C'est bananier, t'as vu? Ouais, bah là, t'as pas mal de cultures, hein. Comme je te disais, la Thaïlande, c'est un pays qui est quand même très très agricole. Là, t'as des bananes, là-bas, t'as des ananas qui poussent. Il y en a plein des collines, il y a de tout, hein, c'est ça. Ouais, il y a vraiment beaucoup. Il y a des rizières, évidemment. Hein, bah, rizières, je t'ai dit, c'est le premier exportateur au monde en termes de riz. Donc, il y a vraiment beaucoup d'agriculture. Et ici, on voit aussi ce qu'on appelle des monocrops. En fait, c'est des, des cultures comme certains fruits, le thé, le café, qui ont été introduits dans les années 80 par le roi. Et le but, en fait, c'était d'inciter les populations locales à arrêter de faire pousser du pavot. Ah, d'accord. Et c'est un cas au monde où ça a effectivement très bien fonctionné. Le thé plutôt qu'autre chose. Exactement. C'est quand même beaucoup plus raisonnable. C'est surtout légal. Et ça arrange bien les Anglais. On est d'accord. C'est magnifique. Ouais, c'est beau. Hein. En revanche, autant la température le matin, tu vois, c'est super agréable. Là, j'ai vu, je crois qu'on doit être à 13-14 degrés le matin. Dans la journée, ça monte à 30-32. Hein. Ouais, mais ceci dit, ça reste quand même sympa pour faire de la bécane. Ouais, c'est vrai. Bah, à choisir, je préfère 32 que 17, tu vois. D'ailleurs, si tu vois pas d'inconvénient, là, ouais, on va rouler un peu pour s'aérer. C'est parti. Hello? Can we have two coffee, please?
Espresso? Espresso, huh? Espresso. Tu peux faire americano? One espresso, non, okay. One americano. Americano. Tout americano. Putain, t'as vu, c'est sympa cette ambiance biker là, un peu ici, vintage, comme, mais oui, comme chez nous finalement, quoi, c'est impressionnant. Les magazines Vintage Life, ils ouais. sont à fond dans le concept, il y a que, regarde les flingues, c'est vintage, il y a, et je crois que la meilleure pub, en plus, attends, la chance qu'il a, je sais pas s'il s'en rend compte, mais moi je serais lui, je ferai la photo, il a les deux premières Royal Enfields en Thaïlande, bon, garées devant son bar. C'est vrai. Moi je serais lui, cool. Je prendrai la photo, mais direct. Je pense même qu'on peut négocier mieux qu'un café. Je suis même pas sûr qu'il nous l'offre. On part normalement avec un t-shirt. T'en mal pas quoi. Mais tu vois, ça me rappelle un peu les. On avait vu quelques cafés rasseurs sur la route, des petits tondas customisés, ouais. complètement effurés, des petits scramblers. Et puis surtout, là, ce que je trouve super, c'est que les gens, chaque fois qu'ils nous voient passer, t'as vu ? Ouais, salut les gars. Ouais, dès qu'on béquille, ouais, ils aiment bien. Ils viennent tourner autour, regarder, ils posent des questions. Mais ça, tu vois, on retrouve ça, je trouve, finalement, dans tous les voyages qu'on a fait, les gens sont hyper. Sensible à cette moto de manière générale, mais là t'as un côté plus motard. Je trouve que c'est plus les motards qui viennent nous voir, qui s'arrêtent avec leur mécane et tout. Tu sens qu'ici le deux roues c'est plus qu'un moyen de déplacement. Exactement, il y a une vraie culture moto. Ouais, ils aiment ça, ouais. Thank you. Super, merci. Thanks. Thank you. Ces routes, hein. Ah ouais, carrément. Et puis alors la station service, ça a de la gueule. Ouais, c'est clair. Pétrole. Ça sent l'essence. Ouais. I could go west. It was all up to me to decide. Ok, ok. Go, go, go. Just then I saw a young hawk flying and my soul began to rise. And pretty soon. Ça y est, on y est. Hein. Bah ouais. Le Mekong. Exactement. Là. C'est bizarre, à chaque fois que je mets les pieds ou les pneus en Asie, je tombe toujours sur le Mekong. Ce fleuve est incroyablement long. Bah ouais, c'est vrai que c'est un fleuve qui caractérise un peu l'Asie du Sud-Est. Pas toute l'Asie, mais l'Asie du Sud-Est. Ça prend sa source au Tibet. Ah, et professeur Zurcher. Attends. Ça fait la frontière quand même entre la Birmanie d'abord et le Laos. Donc là, on est frontière naturelle. Frontière naturelle. Bah là d'ailleurs en face, t'as le Laos, parce que juste après la frontière avec la Birmanie, ça fait quasiment toute la frontière avec la Thaïlande. Ça descend par le Cambodge et ça termine au Vietnam.
Donc c'est vrai que c'est un fleuve assez mythique. Ouais, il fait partie des plus longs du monde. Et là, l'endroit où on est là, c'est Changsen. Ouais, Changsen, exactement. C'est une des plus anciennes villes de Thaïlande. C'est une ville qui a été fondée au XIIIe siècle et qui a été prise par les Birmans au XVIe, reprise par les Thaïs au début du XIXe et du coup quasiment abandonnée en fait pendant un siècle et demi, parce que les Thaïlandais voulaient être sûrs qu'elle n'ait plus aucun intérêt pour les Birmans. Ah oui, c'est une façon de voir les choses. Voilà, et du coup cette ville qui était quand même une ville assez conséquente à l'époque, aujourd'hui est plus une petite bourgade et on peut découvrir quand on se balade, tu verras à l'intérieur de la ville, pas mal de ruines ancienne qui donne un vrai charme à cet endroit. Et pendant que les Birmans et les Thaïs se mettaient un petit peu sur la figure, les Laotiens qui étaient en face, lui, en revanche, ils ne bougeaient pas. Bah, ça dépend quelle époque, parce que le Laos a quand même été Thaï pendant longtemps. Et ce qui est assez intéressant dans l'histoire de la Thaïlande, c'est de savoir que le pays a toujours été indépendant, il n'a jamais été colonisé. Donc tu avais l'Indochine française d'un côté, la Birmanie britannique de l'autre. Et en fait, le roi de Thaïlande, à la fin du 19e, a eu vraiment une idée assez maligne. Il sentait que ça commençait à chauffer avec les Français, et il leur a donné le Laos. Donc en fait, à l'époque de ce que je te racontais avec les Birmans, le Laos était encore thaïlandais. D'accord. En tout cas, là, tu sens les mouvements là, du fleuve, il y a un courant terrible. Bah ouais, c'est clair. Hein, ça fait, là, le fleuve, il a déjà 2000 km derrière lui, je pense. Ouais, hein, j'ai regardé. Ah oui. Non, mais je voyais une pirogue remonter le courant, elle avançait quasiment pas. Bon, ouais, c'est bien. À propos de pirogue, j'en aurais bien fait un tour, mais là, je pense que la lumière va décliner dans peu de temps. Ouais, là, on va aller, ce soir, on dort à la frontière birmane, à Mae Sai. Là on est arrivé à... On est arrivé ici là, à Mae Sai. Donc c'est le point en fait le plus au nord de la Thaïlande. Avant le passage en Birmanie. Exactement, donc on est finalement arrivé à la frontière birmane. Tous les matins, t'as des Birmans qui passent le pont pour venir vendre des choses en Thaïlande. Ça a toujours été un lieu de passage commercial, cet endroit. Depuis un paquet d'années, puisque l'Empire birman et l'Empire Siam, c'est quand même des forces qui existent depuis longtemps. Voilà. Et alors, pour t'expliquer un petit peu ce qu'on a fait, regarde, là on vient de Chiang Mai. Première journée, on est parti à Chiang Rai. Mm-hmm. Okay. Ensuite, on a shooté sur Chiang Kong, ici. Donc c'est là où on a aperçu le Mekong pour la première fois. Et le Laos. Voilà. Et progressivement, on est rentré dans les montagnes, tu vois. Donc, là, donc maintenant, on va attaquer la partie un peu plus montagneuse du trip. Okay. Vraiment, on va longer la frontière birmane. On va vraiment... Et on va jusqu'où comme ça? Bah, on longe la frontière là. Ouais. On là, hop, on bifurque comme ça. On va aller à Doi Mae Salong ce midi pour Dej. Et après on descend tranquillement jusqu'à Tatton où on verra le grand Bouddha blanc là qui est assez réputé. Et donc là la question c'est est-ce qu'on longe la frontière tout du long comme ça? Ou est-ce qu'on prend la grande route? Non, ça c'est sûr. Pas sur le départ en tout cas. Pas sur le départ. Mais là après, au milieu du trip, on aura deux options. Soit on récupère la grande route, soit on continue. Et là, on descend par de la petite route. Tu sais quoi, on verra les distances et puis on évaluera. Et après, retour à Chiang Mai. Bah, dis donc, ça va, hein, joli programme. Là, tu parles des routes dangereuses, effectivement, qui sont indiquées là. Mais enfin, ouais, comme tu dis, les critères thaïlandais, c'est pas les mêmes parce que les routes ici, elles sont plus belles qu'en France. Ouais. Elles sont magnifiques. Ouais, bah, les routes, elles sont canons et ça reste des petites routes, il n'y a pas de trafic. Les gens, roulent hyper calme. Et elles sont neuves. On a passé des portions, les routes sont toutes neuves. Mais en fait, c'est. Il y a un sacré entre eux. Déjà, les locaux sont vraiment très sensibles à l'état des routes et dès que c'est un peu le bordel, ils vont faire le pied de grue auprès du maire pour que ce soit réparé. Direct. Et ça marche. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Thaïlande a la réputation d'avoir parmi les plus belles routes au monde pour faire de la moto. Parce que ça associe un très beau goudron avec la beauté des paysages et surtout des belles petites routes de montagne. Et l'ensemble fait que c'est assez prisé, en tout cas assez réputé, méconnu mais réputé. J'ai hâte de voir ce que ça donne quand ils disent que les routes sont dangereuses. J'ai hâte de voir vraiment pour voir à quel niveau ils ont mis le curseur de la dangerosité. Écoute, on va découvrir ça demain, moi je suis bien curieux aussi. Ouais. Bon, en route. Ouais, c'est parti. Tiens. Prends ta coquille d'œuf.
Là, je vais prendre mon casque. Allez, on y va. Ah oui, putain, effectivement. Parce que là, à gauche ou à droite, là, j'hésite, là. Ouais, je sais pas du tout. Attends, je vais leur montrer le truc. This way or this way? This way? Ok. This side. Ok, my side, yeah. Yeah, in front. Maybe inside. Là, on arrive en plein préparatif de mariage. Là, ils sont en train de préparer le banquet. Alors bon, il y a un ou deux cochons qui font les frais, hein, mais bon, c'est pour la bonne cause. Là, ça discute. Parce qu'en fait, partout où on passe, les Royal Enfields font un effet bœuf. Donc là, on arrive dans un village des tribus des montagnes, ça s'appelle les Haka. Ils sont en train de préparer donc, le banquet pour le mariage. Et il y en a un qui parle très bien anglais, même un petit peu de français. Et il demande déjà combien ça coûte, les Royal Enfields, ici en Thaïlande, vu qu'elles vont bientôt arriver. Donc c'est vraiment des bikers, ils aiment beaucoup la moto ici. $5,000-$6,000. Bonjour. So what's like your name? Tao Tao. Tao Tao? Tao. Bonjour. Alex. 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 The same. No, we are not twins. Pita, I'm not that old already. As I told you, there is already a new shop, a new seller, official seller, Royal Enfield in Bangkok. A new dealer in Bangkok. You? No, not us, but we have visited already, and you will bikes. See the pictures right now. Nat, this is Alex. Yeah. Alex, this is Nat. Yes. So Alex 1 and Alex 2. Exactly. Yeah. Exactly. Good. Perfect. So I'm really pleased to meet you, and you know what a surprise just to meet Royal Enfield seller in Thailand, in Bangkok. Yes. Wow. Yes. Wow. This place that you can call a Thonglor. Thonglor. Yeah, it's a famous name for this area. Yeah, everybody know that. But the question is. How did you get this idea to sell Royal Enfield bikes in Thailand? Well, are actually, you a biker yourself? Yes, of course. Yeah. It's the same like you. Yeah, sure. That's what I heard, yeah. Well, the first I think about the all the vintage. Yeah. Yeah. The people love to ride the bicycle for the whole day and for the daily use. So that's why I think the Royal Enfield must be one choice. Yeah. Yeah. And do you think this bike is appropriate for the roads in the hills in the north of Thailand around Chiang Mai, Chiang Rai area? Yes, that is that we think about. So you can use daily in the city and up north or maybe the southern part. So anywhere you can ride. Vas-y, vas-y.
Well, so this is the Cafe Racer, no? The Continental GT? Yeah, definitely. Same engine? Yeah, the 535. Yep. This is the same that we can find in Europe? Yes. It's exactly the same bike? Exactly the same. Yeah. You know? Okay. This is really nice. The same styling, same everything, same engine. Can I? Yeah, sure. Ah. Ah, yes. Perfect. Moi, j'adopte. Okay. Even next time. Thank you. Thanks a lot. Thanks again. You're welcome. Yeah, you take care. Yeah. Thank you very much. Yeah. Welcome. Have a good trip. Thanks a lot. Bye-bye. Bye. Have a nice wedding. Il y a un truc spécial ici, alors c'est quoi? Ouais, bah alors en fait, on est dans un village qui s'appelle Don Mai Salong. Voilà, c'est ça, je me souviens plus du nom. Ouais, bah ouais, en même temps, faut s'en souvenir. Ouais. C'est vraiment une ville, si tu veux, assez typique et caractéristique de l'histoire du Triangle d'Or, puisque c'est une ville qui a à peine 40 ans. Ça a été créé début des années 60 par les anciennes troupes de Chiang Kai-shek, le Kuomintang. En fait, le groupement qui s'opposait à Mao Tse-tung dans les années 40-50. Donc ça a chauffé dans le coin. Alors en fait, ça avait chauffé plus au nord, mais ici ce qui s'est passé, c'est que ces troupes-là sont fait virer de Birmanie fin des années 50. Elles sont arrivées ici, et en fait, le gouvernement thaïlandais les a acceptées en échange du fait de, entre guillemets, de faire un peu la traque des communistes dans la région. Sauf que pour gagner leur vie, ils se sont lancés dans le trafic, la culture et le trafic d'opium. Ah ouais. D'où la réputation du Triangle d'Or. Ah, c'est parti de là. Voilà, et donc en fait, tu dis que ça a chauffé, ça a effectivement chauffé. C'était mais pour d'autres raisons que militaires. Voilà, en fait. Quoi, c'était finalement un peu plus mafieux. Et tu avais d'un côté les Chinois du Kuomintang qui tenaient une partie de trafic, et de l'autre côté, les troupes du bandit qui s'appelait Kunsa, et qui avait une vraie armée à sa disposition. Ouais, le parrain local de la drogue, quoi. Exactement, et ça a duré, et ça a même prospéré jusqu'au début des années 80. Et à ce moment-là, le gouvernement thaïlandais a décidé vraiment d'intervenir, de faire stopper les trafics. Et donc, Kunsa, lui, a dû partir en Birmanie. Pour les paysans, c'est ce que je te racontais la dernière fois, le gouvernement a mis en place une politique de culture qui rapporte de l'argent, mais qui soit pour le coup légale. Propre, on va dire. Propre. Et tout ça s'est passé dans ce village. Ce village, il est caractéristique puisque c'était une des bases de. Quoi, c'était la base principale du Kuomintang qui tenait 50% du trafic. Voilà, du trafic d'opium. Ouais. Eh ben.
Salut professeur, je t'attends de dormir. Ouais. C'est vraiment, vraiment l'endroit tip top quoi, au bord de la rivière. Ah, ouais, non mais je pense que cet endroit il va rester parce qu'il est assez caractéristique du type d'hôtel qu'on recherche sur nos randos et sur nos raids en tout cas, où on évite les hôtels trop touristiques. Et on cherche à aller un petit peu, à s'éloigner un peu et trouver des boutiques hôtels un peu typiques comme ça. Et c'est pas toujours évident en fait. C'est pas toujours évident d'avoir à la fois le côté un peu privilégié, isolé, pas trop grand, et le minimum de confort quand même nécessaire pour que tout le monde soit à l'aise et se repose bien le soir. Là, tes vintage riders vont être ravis de cet endroit. Même à mon avis, si tu peux, tu prévois deux nuits parce qu'ils vont pleurer au moment de partir. Hein. C'est pas faux. Attends, regarde ça, le petit déjeuner au bord de la rivière, les animaux autour. Non, franchement, j'adore cet endroit. Cool, bah, je suis content que ça te plaise. Hein. Attends, je veux dire que Bouddha il choisit des beaux endroits quand même d'accord, hein, pour s'asseoir. Il a un sacré point de vue quand même derrière. Je comprends qu'il ait sourire en plus. Ouais, regarde ça. Ah ouais, magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier le Bouddha à part d'être blanc? Bonne question. Non, le Bouddha en soi il a rien de particulier. Mais il y en a partout en fait. Il les met toujours ou les pagodes ou les Bouddhas, ils les mettent toujours sur un point haut. Mais écoute, c'est vraiment la religion thaï, hein, en Thaïlande. 94% des Thaïs sont bouddhistes. Tous au moins une fois dans leur vie doivent passer au monastère. Donc ils sont tous au moins une fois pendant quelques jours habillés en orange ou en blanc pour les femmes et vraiment imprégnés à 100% de religion bouddhiste. Et c'est vrai que c'est une religion qui est très douce, un peu différente de celle qu'on avait vue au Ladakh, où, si tu veux, au Ladakh, on appelle ça le grand véhicule. Quoi, c'est une tendance du bouddhisme qui est bouddhiste tibétain, qui s'apparente un peu à la famille du grand véhicule, le Mahayana, où les bouddhistes ont quand même vocation à aller prêcher la bonne parole auprès des autres. Alors qu'ici, c'est le petit véhicule, c'est le Theravada, et c'est quelque chose de très personnel. Oui, donc tu vas si tu veux. Il n'y a pas de prosélytisme. Disons que la culture thaïlandaise veut que tout le monde aille au moins une fois au temple dans sa vie pendant quelques jours. Mais le fond de la philosophie bouddhiste Theravada, c'est que c'est un rapport direct avec le divin qui est très axé sur soi. Donc c'est une discipline personnelle. Il n'y a pas de vocation à aller... Ça tient plus de la philosophie que de la religion à ce niveau-là. Ça tient presque plus de la philosophie que de la religion, mais en tout cas, c'est très personnel. Et en tout cas, c'est certainement ce qui fait que cette région du monde, et la Thaïlande peut-être en particulier, a vraiment ceci de spécifique que tout est calme, tout est zen, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de tolérance, chacun fait ce qu'il veut, et par rapport à la religion, ça ne regarde que soi-même, sans aller embêter les autres avec. Absolument, et il n'y a pas de volonté à effectivement... instruire les autres ou en tout cas leur passer les mêmes croyances que celles que tu respectes et que tu suis. Ce serait bien si le bouddhisme faisait une OPA globale au niveau du monde, ce serait quand même vachement plus cool, on serait tous plus détendus. En tout cas en Thaïlande, c'est très serein. Ouais. Bienvenue en Asie.
Encore une nuit passée dans un très bel endroit, à Changdao. Bel hôtel au bord d'un petit plan d'eau, avec des chambres sur pilotis, vraiment charmant. Tenu par un Hollandais, avec des chiens sympas qui portent les bagages. Les animaux sont vraiment ravis ici. Et puis en plus, nous avons rencontré une Italienne qui visite la région et puis qui va sur Chiang Mai, comme nous. Alors bah, du coup, elle nous a demandé si on pouvait l'emmener, faire un petit tour de moto. On a dit oui. On est des garçons bien quand même, hein. Ça fait plaisir d'être serviable. C'est Christina, chef de cuisine, donc nous on est les commis si tu veux. Donc moi j'ai été commis au touillage. Je touille de l'eau chaude. En tout cas, c'est sympa de nous faire un petit risotto, Christina. Là, c'est la moindre des choses, Alex, avec ce que vous m'avez fait vivre avec ces motos. C'est sympa de terminer cette incursion en Asie du Sud-Est, au nord de la Thaïlande, avec un animal qui est quand même assez emblématique de cette région du monde. Oui, c'est clair, ici ils sont quasiment sacrés, hein. Ils ont la sécu et la retraite. Alors tu vois, c'est vrai. Et là, ils sont vraiment adorés des Thaïs. Oui, absolument. On a fait un très beau voyage, plus de 1000 km au compteur, à travers le nord de la Thaïlande. On a quasiment voyagé dans trois pays en allant au Laos, vu sur le Laos et la Birmanie. Oui, absolument. Et c'est maintenant que se termine le voyage. Ça va pas être facile de rentrer en Europe parce que ici les gens sont vraiment cool. Ouais, et puis le sourire tout le temps. Hein. Ouais. Voilà, on va se quitter là avec notre nouvel ami et se retrouver quelque part dans le monde, ailleurs, avec un moteur entre les roues comme c'est notre habitude. Et on viendra voir le professeur Zurcher pour en apprendre encore davantage sur l'Inde, la Mongolie, le Sri Lanka ou encore une nouvelle route de l'Asie du Sud-Est qui va certainement s'ouvrir prochainement ici en Thaïlande. À la prochaine fois.